J'étais dans leur commerce, je faisais un peu de commerce, j'étais très à l'aise dans leur commerce, mais après j'ai voulu venir faire un peu d'agriculture. C'est pourquoi je me suis installé à Beauvis, pas très loin de là, je suis venu à l'agriculture, et puis là j'ai fait un élevage de cabris. Mais j'ai voulu sélectionner mes bêtes, de faire des cabris de race, des cabris très importants. De ce fait, je fournissais toute la Guadeloupe en production caprine. Alors, j'étais un éleveur de chèvres. Je suis venu dans le café pour donner un coup de main à la relance du café et pour la Guadeloupe. Alors, je suis venu et depuis lors, depuis 2005, je suis président de cette coopérative de café. Je me bats pour tenir cette coopérative avec toutes les difficultés qu'on connaît, mais j'essaie de faire mon mieux. Je suis soutenu parce que là, tout le monde connaît. Quand je suis dedans, je le prends à cœur. On trouve que je prends tout à cœur, mais si je ne le prenais pas, c'est soit on y va ou on n'y va pas. La jeunesse guadeloupéenne, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. C'est à eux de reprendre, c'est à eux de prendre des exemples. Parce que là, je trouve qu'il y a du travail à faire. Je vois dans le café, si moi je trouve une petite équipe, je suis prêt dans les terrains que je vais. Parce que là, j'ai aimé l'agriculture, je suis rentré, je suis propriétaire de 10 hectares de terrain. Là, je suis prêt, si je trouve une petite équipe de jeunes qui veut travailler, je leur mets à disposition 2 hectares. Je les conseille de planter du café, d'entrer. Pourquoi? Je suis prêt de mais à trouver une équipe sérieuse, de laisser la coopérative pour eux et de le faire fonctionner la coopérative, de prendre l'exemple et de continuer. Moi, je suis prêt à les former pour continuer la coopérative. Parce que moi, je ne suis pas là tous les jours, alors il faudrait qu'on trouve des remplaçants et même de mettre à disposition du terrain et de leur laisser la coopérative pour eux. Mais il faudrait qu'ils prennent, parce que le gros problème pour nous, c'est la cueillette et nous faut la main-d'œuvre. Alors avec cette jeunesse, nous avons besoin de cette jeunesse pour nous aider à accompagner. Moi, je suis prêt si je trouve une équipe de jeunes et qu'on les accompagne.